Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente le nouveau Kangoo. Enfin, il était restylé, il était rénové, refondé, tout beau, tout neuf. Vraiment, le design est quand même beaucoup plus sympa. On a une belle ligne, cette nouvelle couleur, on en reparle un petit peu pendant l'essai. Donc je vais vous présenter entièrement et comme d'habitude, on va l'essayer bien dans toutes les conditions. Et je vous en parle en détail aujourd'hui. Allez, c'est parti, on commence par l'avant. Donc, sur cet avant, première chose qu'on va remarquer, c'est ces phares ici à l'avant avec la signature Renault, donc ces nouveaux feux. On a du full LED à l'avant, donc autant pour les feux ici que pour les anti-brouillards. Donc ça, c'est une bonne chose pour l'avant. Ça va vous donner une bien meilleure visibilité qu'à l'époque. Donc, on a le bandeau ici, plus là, ce petit crochet, et à l'intérieur, deux barres LED. Donc, qui vont fendre le feu au milieu. C'est un peu ce qu'on va retrouver vraiment sur les toutes nouvelles Renault. Effectivement, ces nouvelles Renault, on n'a pas encore le logo qui est actualisé façon 2021. Ça viendra peut-être sur le prochain relift qui sera fait dans un an ou deux. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'on a une partie chromée ici dans le feu qui vient se prolonger avec la sorte de V ici, très sympathique. Et pareil, des petits bouts éléments chromés avec la calandre noire et chrome. Ça rend quand même vraiment sympa et ça donne un côté tout de suite bien plus sympa que l'utilitaire que je veux être le Kangoo de base. Donc là, il y a vraiment un effort qui a été fait. Pareil, au niveau de cette couleur, la couleur est juste magnifique au soleil. C'est top. C'est un petit peu comme le Arkana qui est sorti. Ils font de nouvelles couleurs et j'adore ça. C'est top de se renouveler et de proposer quelque chose d'un peu plus punchy, d'un peu plus pétant et surtout quelque chose qui va se remarquer. Et cette couleur s'appellera le brun terracotta, donc ça va être la couleur que vous allez le plus voir puisque c'est le modèle de présentation et ça passera dans les publicités comme ça. Donc c'est vrai que c'est très joli, ça vaut le détour. Donc on aura pour le moment 8 couleurs et courant de l'année prochaine, on aura aussi le bleu qui va arriver, un très beau bleu, ça va être très joli. Un capot ici qui a été fait en aluminium pour alléger la voiture, gagner aussi un petit peu au niveau des consommations de CO2, de l'aérodynamique et de plein de choses. Le capot est plutôt joli, donc on a deux lignes ici, là, donc on a l'impression que ça a été un petit peu aplati ici, un petit peu aplati sur les côtés, c'est plutôt joli, j'aime bien, ça lui donne vraiment du caractère à ce nouveau Kangoo. Sur la partie avant, donc on peut voir comme d'habitude, donc on a vraiment cette partie là qui est un grand pare-brise, mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus haut que l'ancien Kangoo, vous ne trouvez pas? Il paraît vraiment plus costaud, plus imposant, et donc on a cette partie qui remonte bien avec une antenne un petit peu plus jolie, un petit peu plus moderne que ce qui se faisait avant. Ici, on a des caméras puisqu'on aura aussi pas mal d'aides à la conduite, 14 nouvelles aides sur le Kangoo, donc qui va vous aider dans plein de choses comme le régulateur adaptatif, le détecteur de collision, etc. Donc ça, vous pouvez avoir toutes les informations sur le site. On aura aussi le régulateur adaptatif et le maintien dans les lignes. Ça, c'est un gros plus sur le Kangoo aussi. En dessous, en redescendant, donc là, on a ce beau pare-choc ici qui est peint couleur carrosserie. Là, on a le ski ici, sûrement teinté dans la masse aussi. Ce qui se fait de plus en plus dans le groupe Renault, c'est plutôt joli et ça permet que quand on le raye, on n'ait pas de noir en dessous. C'est plutôt bien ça, puisque c'est dommage quand on frotte. Mais comme vous pouvez le voir, la voiture est plutôt haute. Je peux passer les jambes sans souci. On a 16,5 cm de garde au sol. Ça, c'est une bonne chose aussi, puisque un Kangoo, c'est fait pour aller dans les chemins. Les anti-brouillards ici, donc full LED. Et on a des petites entrées d'air ici sur les côtés pour aussi réduire le CX et donc les consommations de CO2 et ça permet de rediriger l'air dans les arches de roue et évacuer l'air sur le côté. Vous trouverez ici le capteur aussi donc pour les aides à la conduite. Sur ce 3/4 avant, on a franchement une belle auto. Pour moi, on dirait plus un Kangoo, on dirait limite un nouveau modèle qui s'est réinventé avec une forme de Kangoo, mais vraiment waouh. Regardez, moi je fais 1m80. La voiture est assez haute. Bon, par rapport aux dimensions, donc la voiture fait 4,49 m de long, 1,91 m de large sans les rétros et 1,83 m juste ici avec les barres de toit. Ici, des barres assez spécifiques qu'on pourra moduler, donc qu'on pourra tourner sans outils. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, on pourra les mettre de cette façon ou de cette façon. On pourra bien sûr mettre des bagages sur le toit, des fixations de ski, des portes-vélos, tout ce que vous voulez. Sur le côté, donc rétro noir, là aussi, tout est en noir, ce qui donne une finition tout de suite plus sympa et qui va peut-être amener limite
à confusion avec un monospace et ils se sont inspirés de ça pour développer cette voiture et se dire bon voilà, on va essayer de concurrencer un petit peu les monospaces puisque ça se fait de moins en moins, les gens préfèrent de plus en plus les SUV et là ils essayent de reconquérir un marché même si Renault se débrouille plutôt pas mal dans ce milieu-là. Au niveau des jantes que vous voyez là aujourd'hui, on a du 17 pouces, on pourra également retrouver des jantes en 16 pouces, donc on aura le choix parmi plusieurs modèles de jantes, donc avec soit des jantes alu, soit des enjoliveurs qui sont plutôt jolies sur des jantes tôle. On peut parler tout de suite du prix. Les modèles de Kangoo vont débuter à partir de 24 900 euros et on aura des modèles à 27 900 euros également. Donc c'est déjà possible de les avoir en commande. Les premières livraisons arriveront à partir de juin 2021. Au niveau des motorisations, donc là-dessous, on aura le choix entre 5 moteurs pour le moment. Donc on aura le choix entre 2 essences et 3 diesels. Donc Renault a fait le pari de garder les diesels puisque beaucoup de gens qui ont ce type de voiture adorent les diesels. Et ça, c'est vrai qu'à la campagne ou autre, ou quand on veut faire pas mal de trajets, le diesel, ça reste toujours un avantage. Pas d'hybride. Pour le moment, juste un start and stop. Et par rapport aux motorisations, les motorisations essence, on aura le choix entre 100 et 130 chevaux. Et pour les diesels, 75, 95 et 115. À l'avenir, en 2022, on aura une version 100% électrique avec une batterie de 44 kWh. Et ensuite, on aura le choix pour la boîte de vitesse, deux choix, soit une boîte manuelle 6 rapports, soit une boîte manuelle EDC 7 rapports avec le double embrayage. Petit truc sympa, cette voiture est fabriquée à Maubeuge, donc ça c'est plutôt un avantage aussi pour la marque Renault. Et les Kangoo, il s'en est vendu plus de 4 200 000 exemplaires. C'est énorme. Donc c'est vrai qu'on en voit vraiment partout, peu importe où vous êtes, en France, en Europe, vous allez forcément voir un Kangoo à un moment. Par rapport au poids de la voiture, on sera entre 1600 et 1700 kg selon la motorisation et la boîte de vitesse que vous allez choisir, ce qui n'est pas déconnant. Pendant qu'on parle des différents modèles, on aura plusieurs possibilités. Donc avec cette voiture, ce qu'il faut savoir, c'est que elle existera en plusieurs bases, donc ça c'est la base courte. Il y aura une base plus longue pour plus tard se dire peut-être qu'on aura des 7 places. On aura aussi les véhicules utilitaires. Donc là on a une véhicule grand public, on pourra avoir vraiment l'utilitaire comme on connaît le Kangoo avec l'arrière sans rien, sans siège où on peut stocker. Et on aura aussi la version pour les personnes à mobilité réduite. Je vous mets une petite vidéo là où on voit que on a vraiment le seuil à l'arrière, donc avec le hayon qui s'ouvre. Et la petite rampe, ce qui est sympa, c'est que la petite rampe, cette fois-ci, elle est passée sous le plancher, ce qui permet d'avoir une meilleure insonorisation dans la voiture. Tout comme celle-ci, toutes les Kangoo ont été revues niveau insonorisation. Les vitres 11% plus épaisses pour amener un peu plus de confort à l'intérieur. Au niveau du moteur, c'est pareil, ils ont isolé un petit peu mieux par rapport à l'habitacle et tout le sol aussi, un petit peu plus isolant. Et on verra pendant l'essai que c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Là, je vous ai mis vraiment à 90 degrés de moi pour une bonne raison. Cette porte et l'autre de devant conducteur s'ouvrent à 90 degrés. Regardez à quel point c'est facile d'accès. Je peux vraiment venir ici et rentrer dans le véhicule sans souci. Regardez l'espace qu'il y a. Et ça aussi, c'est pareil puisque les Kangoo jouent énormément dans le milieu où il y a beaucoup de personnes à mobilité réduite. Donc en fauteuil roulant, j'arrive, eh bien j'ai de la place pour me transférer du fauteuil à là. Et avec la porte qui s'ouvre à 90 degrés, c'est vrai que c'est un avantage. Les autres à l'arrière, porte coulissante, hop, et la porte de l'autre côté, coulissante également, qui s'ouvre facilement, hop. Et là, je peux faire le tour de la voiture. Tadam ! Sans souci. Donc, on a vraiment une sensation d'espace dans cette voiture. Limite, s'il n'y avait pas ça, ça aurait été encore plus fou. Il faudrait vraiment qu'un jour ils inventent quelque chose où il n'y a plus ces montants-là. Ce serait vraiment l'idéal. Bon, l'intérieur, ça, je vous le montre juste après. À l'arrière, comme toujours maintenant, on a le mot Kangoo ici pour vous rappeler quel modèle c'est. Le logo Renault, cette vitre ici qui est parfaitement droite avec l'essuie-glace, le petit gicleur ici, le troisième feu stop intégré ici. Et là, on a des feux LED. Donc, on a du LED seulement pour la partie rouge ici, malheureusement. Ils n'ont pas allé jusqu'au bout, ils ont mis des ampoules dans les clignotants. Bon, c'est pas très grave en soi, mais j'aurais bien aimé que ce soit une version où ce soit un feu full LED comme à l'avant. Ensuite, à l'arrière, donc, pare-choc ici qui est assez bas. Ça aussi, ça va jouer bien pour les personnes à mobilité réduite. Et le ski ici à l'arrière aussi, teinté dans la masse avec les capteurs plutôt bien intégrés. Bien joué de les avoir mis aussi bas et là-dedans. C'est plus joli que de les avoir mis sur la carrosserie. Une petite caméra de recul juste ici, et
pas de haillons automatiques. Donc j'ouvre ici. Alors par contre, ce que je peux reprocher à cette voiture, c'est pas facile. On a vraiment juste le bout des doigts ici pour aller chercher le coffre. Et une fois qu'il s'ouvre, alors il faut vraiment se reculer. Il y a au moins un mètre. Il faut vraiment prévoir large. Surtout, ne vous collez pas à un mur, sinon impossible d'ouvrir ici. Bon, le coffre. Là, on a vraiment, vraiment de la place. Donc là, je peux rentrer vraiment facilement. J'ai 775 litres de chargement à cet endroit-là. Petits autres trucs sympas. Donc ça, la plage arrière. Souvent, quand on enlève, on ne sait pas quoi en faire. Donc là, je peux l'enlever. Et ils ont été intelligents cette fois-ci. Je peux la faire coulisser derrière. Donc si je veux mettre quelque chose d'assez grand ici, eh bien, c'est possible. Regardez, je peux mettre comme ça et quasiment debout. Il y a vraiment de la place, ça c'est une super bonne chose. Je peux ensuite rabattre les sièges à l'arrière. Hop. Bon, par contre, il faudra enlever ça et se le mettre de cette façon. Une fois que ça c'est là, Renault annonce qu'on a 1m 80 ici. On va voir. Ouais. Je tiens avec les talons qui touchent les sièges et je pourrais refermer. Limite. Vous voulez faire un petit peu de camping avec cette voiture, vous mettez un matelas ici, vous pouvez dormir sans souci. En avançant bien les sièges, vous aurez même un peu plus d'1m80. On pourra donc se mettre un petit matelas d'1m90. Ça, c'est un petit truc sympa. Prise allume-cigare. Ici, j'ai des rangements sur les côtés que je peux dégrafer juste ici. Pareil là, des petites agrafes pour les sacs. Regardez l'espace que j'ai. C'est franchement géant. Autre petite chose, donc, je ne l'ai pas, il y a une option pour que le siège passager s'abaisse, donc avec l'avant qui s'abaisse et le dossier qui se remet totalement en plat. Et là, ça nous fait 2,70 m de longueur de chargement d'ici à tout là-bas. Et encore plus grand si vous allez jusqu'à la fenêtre avec des tubes, par exemple. Et là, de cette façon, regardez, on pourrait faire pas mal de choses ici. Hein. Ça donne des idées. On a 3500 litres de chargement. Et dans les idées, par exemple, faire des déménagements, ce sera vraiment pratique. Je peux remettre facilement la plage arrière, je la clipse, elle est reclipsée de cette façon. On a aussi des haut-parleurs à l'arrière. Cette voiture est munie de 6 haut-parleurs et on a un son plutôt correct. Donc là, comme vous pouvez le voir dans cette configuration, on a le plancher plat jusqu'au bout. Très facile de relever les sièges. Alors hop, ils n'ont pas pensé à mettre la ceinture sur le côté, mais elle se remet très facilement. Ils ont quand même pensé à se le mettre ici. Donc si j'y pense à chaque fois, je ne serai pas gêné lorsque je rabats la banquette. Hop, et je relève celui-ci également. Parfait. Donc, comme vous pouvez le voir, je me remonte mon appui-tête. Je suis bien installé. Là, la personne qui me dit que la garde au toit n'est pas suffisante, regardez la place que j'ai. Je peux me mettre droit, je peux presque me lever. C'est énorme le volume que j'ai ici. Si vous êtes claustro, là, vous vous sentirez vraiment bien. Allez, je ferme la porte. J'ai une grande surface vitrée ici. Je peux admirer le paysage. C'est franchement agréable d'avoir autant d'espace à cet endroit-là. Et on se sent bien, même les sièges de l'avant sont plutôt bien écartés et j'ai une bonne visibilité sur l'avant. Et franchement, je respire. Ça donne envie d'être à l'arrière. Donc 1m80, le siège à l'avant est réglé pour moi. Regardez, il me reste énormément d'espace. Et là, Renault se veut être la marque avec ce Kangoo qui offre le plus de place au deuxième rang ici. Et c'est pareil pour l'avant. Et bah franchement, bah ils n'ont pas rigolé. Hein, parce que j'ai vraiment de la place et je suis vraiment bien. Je peux me mettre dans toutes les positions que je veux. Aucun souci. Il y a des rangements un petit peu partout. Donc dans mes portes, j'ai un petit rangement ici. J'ai rangement là. J'ai un tout petit rangement ici, sous les pieds. Alors ça, c'est rare d'avoir les pieds qui peuvent aller un petit peu plus loin que la banquette. Donc si j'aime bien avoir les pieds un peu en arrière, ça aussi, bon petit plus, très agréable. Pas de tunnel central ici, c'est quasiment plat. Alors on a une petite pente, mais pareil, si je suis au milieu, j'ai mes pieds à plat. Donc hop, je me relève mon appui-tête, pied à plat. J'adore cette place, j'ai une très bonne visibilité partout. Je me sens bien. C'est trois vraies places, donc trois sièges séparés ici. Franchement, je suis très très bien. Autre chose, donc la ceinture, elle est ici. Donc on a une sorte de vrai siège ici, mais c'est pas siège par siège. Donc on rabattra en deux tiers, un tiers ici. Ici, on a une climatisation à l'arrière pour les passagers. Deux prises USB à cet endroit-là et une prise allume-cigare juste ici aussi. Et même à l'arrière, je peux me mettre jambes tendues. J'ai encore de la place.
Franchement, j'avais jamais pensé, mais c'est quand même plutôt bien quand vous porte coulissante des deux côtés. Hop, et je vous montre l'avant maintenant. Comme je vous disais, la porte s'ouvre à 90 degrés. J'ai jamais eu autant de facilité à rentrer dans une voiture. Franchement, c'est juste génial. Et pareil, pour filmer la caméra, j'ai jamais pu la mettre aussi en avant que ça. Parce que 90 degrés, on ne trouve quasiment jamais. Je vais chercher ma porte. Au final, elle n'est pas trop loin. La poignée est bien placée. Et je m'installe. Donc, je tombe pareil avec de l'espace. Donc, on a ici la capucine. Donc, ça permet d'avoir du rangement au-dessus, comme beaucoup d'utilitaires. Et comme le Kangoo depuis ses premières générations, même comme l'Express juste avant. Et je tombe dans cet environnement plutôt bien. Le volant, cette fois-ci réglable en profondeur et en hauteur. Donc là, vous trouverez forcément votre position. Le siège, regardez comment il va super loin. Je peux le régler en hauteur également, en profondeur, donc en translation comme ça, et l'inclinaison. On va voir jusqu'à où va l'inclinaison. L'inclinaison, hop. Ouais, je peux me mettre vraiment allongé jusqu'à la banquette arrière. Ça, c'est pas mal. Et donc, ce siège, on pourra l'avoir en option qui puisse se rabattre et faire un plancher plat d'ici jusqu'au bout du coffre. L'idéal maintenant, c'est que je vous montre la présentation vue point de vue conducteur pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a ici et il y a beaucoup de nouveautés. Alors, je commence par le volant. Donc, le volant, comme on connaît chez Renault, avec le cuir est plutôt agréable. Le logo, toujours celui de Renault. Un petit peu d'alu ici qui fait le cerclage, enfin façon alu, c'est plutôt joli. Sur le côté gauche ici, donc ce sera les aides à la conduite, régulateur, limiteur. On pourra avoir aussi donc le limiteur et le régulateur adaptatif. À droite, c'est pour les commandes de l'écran qu'on a au fond. Là, ce que vous voyez, 7 litres, c'est la moyenne que j'ai fait sur cet essai en y allant un petit peu vite, en accélérant un petit peu, en faisant les tests de 0 à 100. C'est plutôt pas déconnant, mais j'ai constaté qu'on peut descendre en dessous des 5 litres sur les petites routes de campagne. Bon allez, je commence par la gauche. Donc, on a cette partie ici, plastique, du tissu ici, plutôt sympathique. Les fenêtres, les rétroviseurs, la petite poignée, hop, de cette façon. La grosse poignée qu'on attrape pour bien tenir la porte. Des rangements à cet endroit-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 49 litres de rangement à l'intérieur de cette voiture. Petit rangement ici également. De quoi ouvrir le coffre. Le pédalier ressemble à ça. Le repose-pied est plutôt pas mal. On a ensuite, quand on remonte, donc comme je vous le disais, le volant réglable en hauteur et en profondeur. Sur la gauche, ici, les aides à la conduite, donc maintien dans les lignes. L'instrumentation, donc, pour avoir l'éclairage, la hauteur des feux et désactiver l'ESP. Un petit aérateur de ce côté-là. On tombe sur l'écran ici, donc avec le contour ici. La jauge de vitesse, l'essence et la température, et l'écran ici sur lequel on pourra faire apparaître plusieurs informations, les modes éco, et ensuite changer de cette façon. Donc on a soit les choses de la voiture, on peut avoir aussi la vitesse en numérique, les trajets, les distances. On peut refaire pas mal de choses à cet endroit-là. Derrière, feu automatique, essuie-glace automatique. Au-dessus, là, un rangement juste vraiment cool d'avoir ça juste ici. Donc on pourra mettre son téléphone à cet endroit-là, branché, une prise allume-cigare. On a deux USB. Et comme vous avez pu le remarquer, on a ça juste ici. Alors ça, je peux l'enlever très facilement et je peux le mettre de l'autre côté si je préfère l'avoir de l'autre côté. Alors hop, là, et quand je le retourne, je peux mettre mon téléphone de ce côté-là ou de ce côté-là très facilement. Renault, vous êtes des génies. J'adore, bravo, bravo. Depuis la Dacia où vous l'avez fait, là c'est encore mieux, on peut le mettre de chaque côté. Magnifique. Rangement ici encore, qui est assez profond. Donc ça, ça permet de mettre des dossiers ici. Cet écran tactile avec une dalle mat, ce qui est bien avec le mat, c'est que ça permet de ne pas laisser de traces de doigts partout. Donc hop, je peux avoir mes menus, les petits widgets de cette façon, radio DAB et les infos du véhicule, téléphone, navigation, Bluetooth, etc. Ici, donc je vous le montre, on a un petit rappel de ce côté-là. Et là, regardez, on a cette finition bois. C'est très sympathique d'avoir ça sur une Kangoo. On n'a pas l'habitude. Et c'est vrai que ça amène un petit style sympa. Ça, vous pourrez le choisir dans différentes finitions. En dessous, siège chauffant. Bien sûr qu'on a les sièges chauffants. Ça, c'est un gros plus encore. Start and stop, l'activer, désactiver. Le mode éco, les warnings. Ça, je vous fais écouter warning.
verrouiller le véhicule et siège chauffant du passager. Le groupe clim ici, je vous démarre la voiture. Comme ça, vous voyez, mais c'est le groupe clim qu'on connaît, qu'on aura sur Clio, Duster, Mégane et autres. Donc, on règle la température ici de cette façon. Du bizone, je peux synchroniser si je veux que les deux montent ensemble. Là, en appuyant, ça me règle les endroits où je vais être ventilé. Et ensuite, la puissance de ventilation de cette façon en tournant. Le dégivrage, l'air conditionné, recyclage d'air. Encore un petit rangement ici. Ça, c'est la clé. Hop, de cette façon, comme on connaît chez Renault. Donc avec un petit rangement ici, on peut mettre un téléphone encore. La boîte de vitesse aujourd'hui en manuel 6 rapports. Lorsque j'engage la marche arrière, ça m'engage ma caméra de recul. Ça, c'est un beau petit plus. Là, j'ai pas mal d'espace encore. Chargeur à induction pour téléphone et encore une prise 12 volts. Du rangement là donc. Du rangement encore là avec deux porte-gobelets. Frein à main. On a un vrai frein à main aujourd'hui. On peut l'avoir en option en électrique. Encore un rangement ici. Pour vous faire une idée, hop, la bouteille. Voilà, on mettra des 50 centilitres ici. Hop, le siège. Voilà à quoi ressemblent les sièges. Donc des sièges en tissu avec ces beaux appuis-têtes que je trouve plutôt élégants, surtout qu'ils sont super fins, c'est super beau, c'est design, c'est sympa. Donc siège tissu avec un tissu qui ne dérape pas, donc qui accroche bien. Ça, c'est une bonne chose parce qu'au final, les sièges ne maintiennent pas énormément dans les virages. Donc heureusement que le tissu accroche plutôt bien. Si on a aussi... On a aussi les fixations ISOFIX, bien sûr, à cet endroit-là. Voici l'assise. La porte, voilà à quoi elle ressemble de l'autre côté. Et pareil, avec des grands rangements sur les côtés. Donc, je ne vous ai pas montré là. On pourra mettre des grandes bouteilles d'eau ici, plus un petit peu de rangement à cet endroit-là. Sur le dessus, donc, on trouvera ça, la capucine. Donc, on a du rangement en haut. Ici, on a le SOS, les lumières, ça. C'est pour les enfants passage. Vous pouvez voir les enfants comme ça. Et là, vous avez une vue juste à l'intérieur. Et là, ça vous donne votre vue sur l'arrière. Hop, et vous pouvez le ranger. C'est bien parce qu'avoir toujours ça, c'est pas forcément super. Là, j'ai ce grand truc-là. Je peux voir aussi à travers juste ici. Là, on a des petits micros pour le Bluetooth. Je ne vous ai pas montré la boîte à gants. Boîte à gants vendue qui fait 7 litres. Et regardez, elle coulisse de cette façon. Elle est super agréable. On a l'impression que c'est monté sur roulement. C'est franchement top. Et là, on a pas mal d'espace. Donc, on peut ranger les manuels, etc. Donc, 7 litres de rangement. Là, encore. Bon, je crois que je vous ai fait faire pas mal le tour de l'intérieur. Je crois que maintenant, il est l'heure d'aller faire un tour avec. Bon alors, je suis dans le nouveau Kangoo. Là, aujourd'hui, j'ai une version essence. On va voir ce que ça donne. Donc, comme d'habitude, en ville, sur route, un petit peu sur tout type de route. Comme vous pouvez le voir, là, il y a de l'espace. Hein. Je me sens... Waouh ! Donc, comme dit Renault, c'est vraiment un des véhicules où il y a le plus d'espace à l'avant comme à l'arrière, tant au niveau des genoux, tant au niveau des épaules. Et comme vous pouvez le voir ici, hein, je suis vraiment bien. Même au niveau de la tête, il faudrait regarder tout ce qu'il y a au-dessus de ma tête encore. Donc là, j'ai les rangements au-dessus. Je peux cacher des choses là. Et à l'arrière, franchement, j'ai une bonne visibilité, je me sens bien. Ça change des véhicules qui sont assez bas. On sent vraiment bien à l'intérieur de ce véhicule. Bon allez, c'est parti. Le plus important maintenant, ça va être sur la route. Donc, on a bien sûr la petite carte main libre, donc que j'ai là, hop, qui permet de pouvoir conduire la voiture juste en rentrant et en appuyant sur le frein. Et ça démarre. Donc, rien d'exceptionnel, mais pour un Kangoo, c'est quand même un bel effort. Frein à main, hop, on peut l'avoir le frein à main, comme je disais, en mode électrique. Et c'est parti. Hop. Oh bah tiens, un ancien Kangoo. Alors, on va commencer. On a une voiture avec une direction assez agréable et assez facile. Donc là, on a une route pas mal dégradée. Donc la direction assistée, franchement très légère. Pour ce genre de voiture, c'est pas plus mal. Au niveau de l'espace, là, quand je vais passer les rapports, donc j'ai mon coude qui vient ici se mettre naturellement.
franchement, premier tour de roue, c'est facile à conduire. Donc au niveau de la position, je peux régler mon volant hauteur, profondeur, je peux régler mon siège pareil en avance, en hauteur, en profondeur. Je peux vraiment me trouver la position qui va me convenir le mieux. C'est pas forcément le genre de voiture que je conduis d'habitude, mais je suis pas déçu de le faire. Le rayon, on va regarder le rayon de braquage. Hop. On aurait pu s'attendre à un poil mieux. Mais ça tourne facilement avec la direction. J'aurais bien aimé peut-être un rayon de braquage un poil plus court. La boîte de vitesse, les rapports passent facilement. C'est souple, c'est agréable. Et on a une voiture, franchement pour la ville là en tout cas, très bien insonorisée. J'entends un petit peu le bruit du moteur, même s'il y a quand même un gros effort qui a été fait là sur le bruit du moteur. Donc ils ont renforcé l'isolation un peu partout. Ce qui permet d'avoir une voiture déjà beaucoup plus silencieuse qu'avant. Donc là on se balade dans le 95. C'est très joli aux alentours de Chantilly, Senlis. J'aime beaucoup ce coin. Il fait beau, on en profite. Elle est franchement agréable. Donc je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a vraiment très peu de bruit dans l'habitacle. Au niveau de la suspension, ça filtre pas mal les défauts. On va se tester une petite accélération, tiens. Est-ce que ça relance bien? Ouais, c'est convenable. Mais voilà, je suis à 50. Ça va, c'est pas mal. De toute façon, c'est pas fait pour aller vite, la Kangoo. Au niveau de la direction, donc comme je disais, c'est souple. On a un avant qui n'est pas ultra précis. On n'a pas forcément un ressenti dingue. On emmène la voiture où elle doit aller. Par contre, elle a l'air de prendre vraiment pas mal de roulis. Hein. Quand on fait ça, la voiture se balade un petit peu. Mais ça aura l'avantage, par contre, d'être plus confortable. Allez, on va aller se mettre à 70 km/h. Donc, on a les régulateurs, limiteur de vitesse. Donc là, je me mets mon limiteur. C'est pratique. Comme ça, ça permet de pas dépasser. Ou sinon, j'ai le régulateur également. Donc là, une route à 80. Plutôt 80. Alors, c'est quand même un gros véhicule qui est pas mal exposé à l'air. Donc, on entendra forcément un peu plus d'air qui viendra eh bien, sur le pare-brise et autres qu'un véhicule normal. Donc, en plus, on a les barres de toit, ce qui fait que ça ajoute un petit peu plus de bruit aussi d'air. Au final, ça va. C'est pas déconnant. Là, je suis en 6e, un peu moins de 2000 tours. 1757 tours à peu près, et c'est plutôt confortable. Donc on aura en option toutes les options possibles de conduite de niveau 2, donc avec le régulateur adaptatif, ça ce sera top quand vous avez la boîte automatique. Donc, moi franchement je suis déçu un petit peu de ne pas avoir eu la boîte automatique, mais beaucoup de gens achètent les boîtes manuelles encore en France. La boîte automatique c'est quand même vraiment un gros plus, et surtout d'avoir toutes les aides à la conduite, c'est quand même un avantage supplémentaire en fait pour les familles. Ça facilite beaucoup de choses, surtout quand on a les enfants, etc. Et bien avoir toutes les aides de conduite plus la boîte automatique, ça vous permet de vous concentrer un petit peu plus ce que vous faites, surtout quand vous êtes distrait plutôt que de passer les vitesses et autres. Je trouve que c'est un gros plus. Alors un Dodan, on va voir ce que ça donne sur les Dodan. Hop, il est assez gros celui-ci. Ouf. Alors on a une suspension assez molle et qui rebondit pas mal. Après c'est fait aussi pour être utilisé avec beaucoup de monde, donc quand on est seul et pas chargé, ça va peut-être rebondir un petit peu. Et donc les sièges, comme je disais, plutôt confortables. Il y a un bon grip sur cette texture, donc ça permet qu'on se balade pas trop dans le siège. On peut être assez corpulent, je pense que pour tous les gabarits ça conviendra bien. Moi je suis bien. Alors au niveau du maintien latéral, en fait les sièges sont quand même creusés assez large, donc
moi, je vais être amené à me balader pas mal. Ah, j'aime bien, j'ai le bip bip. Donc, il y a l'abonnement avec les radars. Donc ça, c'est un petit plus. J'aime bien, ça vous prévient. Mettez-vous à 50. Ça, c'est une petite option supplémentaire aussi qui fait plaisir. Allez, on va essayer dans un rond-point. Voir un petit peu ce que ça donne la tenue de route. Alors, en y allant assez vite. Donc, j'ai tout qui se balade un peu dans le coffre. On a franchement une bonne tenue de route, hein, parce que là, on va assez vite. Alors, comme vous voyez, hein, moi, j'essaye de me tenir au volant pour, eh bien, justement, ne pas m'envoler et passer sur le siège passager. Mais la tenue de route est franchement bonne. Et sur le changement d'appui, pareil. Donc, la voiture prend un petit peu de roulis. Elle vous projette un petit peu, puisque les sièges, donc, pourtant, ils ont l'air quand même assez... assez renforcé au niveau là des côtés, mais voilà, comme je suis pas très gros, moi je vais me balader assez dedans. Par contre, quand on va faire beaucoup de routes et qu'on s'amuse pas comme des petits fous dans les virages, on sera quand même franchement bien. On est sur une petite route où il n'y a personne, on va se tester un 0 à 100. Ça marche pas trop mal. 50, 70, hop, 90, voilà, 100. Non, ça va, avec cette motorisation, ça offre plutôt quelque chose de convenable. Au-dessus de 80 km/h, on commence à entendre quand même pas mal de bruit d'air au niveau du pare-brise et sur le dessus. Donc je vais essayer de frouer une petite route à 110, voire 130, voir ce que ça donne aussi lorsqu'on va un petit peu plus vite. Bon, le Kangoo aussi, c'est un utilitaire, donc on va voir dans la poussière ce que ça donne sur les chemins. Puisque c'est fait pour y aller aussi, hein, de base. Ça se fait bien. Hop, je vais aller un petit tour dans l'herbe. Sans souci. Pour ce type de route, franchement, là, ça reste plutôt confortable. Ça amortit bien sur les petits défauts, là, comme j'ai ici. Et franchement, aucun souci. Hop, là, comme vous voyez. On a une garde au sol de plus de 16 cm. Donc, ça permet de faire, hop, même des zigzags sur les chemins. Étant donné qu'on a une caisse assez haute, eh bien ça posera pas de souci pour aller se balader sur les chemins. Bon, on fera pas non plus du tout terrain, mais en plus on a un nouveau système au niveau des roues avant qui va permettre de gripper un petit peu plus quel que soit le terrain, qu'on soit dans la pelouse, dans les cailloux ou dans la boue, eh bien ça vous aidera à motricer un petit peu mieux. J'ai le start and stop également, bien sûr, hein, maintenant on trouve le start and stop sur toutes les voitures, et donc quand je suis à l'arrêt, plus un bruit. Ça redémarre, hop, et je peux ressortir de là, et c'est reparti pour un petit peu de route. Et lorsqu'on traverse un petit village, c'est franchement agréable. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment une bonne visibilité à l'intérieur, et on va essayer, tiens, de se faire un stationnement. Donc, on a enfin une caméra de recul, et ça, c'est vrai que c'est un vrai plus pour pouvoir aller se stationner. J'ai les radars de parking à l'avant et à l'arrière. Et hop. Et voilà, je suis parqué. Bon, ça c'est un plus quand même dans un Kangoo d'avoir son écran ici avec le GPS et toutes les autres informations. Donc l'écran, je peux retourner. Home, je peux avoir tout ce que je veux. Donc là, j'ai des raccourcis, mes aides à la conduite et autres. Et un truc que j'aime énormément aussi, c'est le fait d'avoir ici mis le support de téléphone sur le côté, et je peux le changer de gauche à droite. Ça, c'est quand même un gros plus. Donc, quand vous n'avez pas envie de vous servir du GPS ici, vous pouvez quand même brancher votre téléphone, et bien le connecter en Android Auto ou en Apple CarPlay. Mais si vous voulez juste vous mettre Maps pour un trajet rapide, vous pouvez vous le mettre sur le téléphone juste ici. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un gros plus de pouvoir l'avoir là. Et c'est franchement à hauteur sans quitter la route, tout comme on l'a là, sans vraiment quitter la route des yeux. Et le téléphone, je pourrais le mettre soit à gauche, soit à droite. Franchement, pourquoi toutes les marques ne font pas ça? Merci au groupe Renault, hein, puisqu'il l'avait mis sur la Sandero déjà, de le faire et d'avoir ajouté ça sur la Kangoo. Franchement, un très très gros plus là-dessus. Alors, même sur des petites routes comme ça, là, qui sont vraiment bien plus étroites en campagne, eh bien, ça reste toujours aussi bien. Hein. On a vraiment envie d'aller découvrir un petit peu tout ce qui se passe ici, surtout avec le grand espace dans le coffre. On peut mettre toute la famille, on peut se mettre les appareils photo, les vélos, on peut mettre le porte-vélo derrière, on peut se mettre un coffre de toit, on peut mettre les bottes et autres dans la voiture.
et ça donne envie de traverser un petit peu partout comme ça. Hein. Moi, j'adore me balader à travers champs. Et souvent, les gens qui achètent ce genre de véhicule, c'est un petit peu leur style aussi. Ou même pour la ville, hein, pour emmener les enfants à l'école et autres. Franchement, il y a de la place. Même, vous pouvez les chatouiller, les enfants, comme ça, si vous voulez. Regardez la place qu'il y a ici, sans souci. Et si je veux, j'ai même un petit mode éco, juste ici, qui va me permettre eh bien, de rendre la voiture un petit peu plus économique en carburant et la rendre un petit peu plus douce aussi également. Alors, c'est pas que c'est un foudre de guerre, mais ça va permettre de faire encore quelques petites économies d'énergie. Donc, on a une pédale qui devient beaucoup plus douce, donc j'aurai plus d'amplitude avant d'accélérer vraiment fort. Donc là, hop, je suis à mi-pédale. Alors que si j'avais enlevé le mode éco, eh bien la voiture serait partie un petit peu plus vite et relancerait avec un petit peu plus de dynamisme. Le mode éco, c'est pas plus mal pour tous les jours si vous n'êtes vraiment pas pressé. Alors moi, dans la vie de tous les jours, je suis vraiment quelqu'un qui n'est pas pressé du tout. J'aime bien prendre mon temps et rouler comme ça. Eh bien moi, ça me va parfaitement. Parce que je ne vois pas le principe de, pour aller juste d'un point A à un point B sans vouloir se faire plaisir, pourquoi consommer le plus possible ? Donc, je suis plutôt partisan du moins on consomme, mieux c'est. Et au final, le mode éco, moi j'aime bien. Sur toutes les voitures que j'utilise au quotidien, je suis toujours en mode éco, sauf quand j'ai envie de m'amuser. Alors, oui, j'aime bien les voitures. Et effectivement, à ce moment-là, là, je me mets le mode sport ou le mode race pour m'amuser. Mais avec ce genre de voiture, eh bien, c'est plutôt une voiture où on va faire des périples pour aller se balader ou autre. Mais le principe, c'est d'aller se balader soi. Un endroit, c'est pas forcément d'aller s'amuser avec la voiture. Donc le mode éco pour moi, c'est un petit plus et ça fera pas de mal. Allez, on va se prendre une petite partie à 110 km/h. Donc pour s'en serrer, là c'est suffisant. 5 à 110, 6. Donc je me remets mon régulateur à 110 km/h avec mon maintien en ligne et autres. Alors, à 110 km/h, je suis un peu plus de 2300 tours minute. La consommation, donc là, on est en légère montée, ça m'indique entre 5,5 litres et 6 litres. J'ai très peu de bruit de roulement. Donc ça, c'est plutôt agréable. Au niveau de ça et de l'insonorisation par rapport à l'extérieur, c'est quand même bien. Donc, j'entends peu ce qui se passe autour de moi. Par contre, je vais entendre pas mal de bruit du vent. Donc oui, le bruit du vent, là on va pas avoir le choix malheureusement, puisque c'est une voiture qui est quand même assez imposante. Alors je dirais pas que c'est un camion, mais c'est quand même assez droit, même s'ils ont fait énormément d'efforts là-dessus, sur cette voiture, on entend quand même pas mal le bruit du vent. Mais sinon, même à 110 km/h, ça reste franchement confortable. Je trouve que c'est franchement une bonne voiture pour ça. Je vais doubler, alors même si je reste en 6, ça va, j'ai assez de relance et j'ai assez de reprise. Et si je me mets donc là sur l'autoroute à 130 km/h, franchement, on commence à entendre un petit peu les bruits de roulement. Mais ça reste pareil, toujours plutôt bien, ça reste toujours plutôt contenu. Et juste les bruits du vent, surtout au niveau du pare-brise. Lorsqu'on sera à l'arrière, on entendra très peu le bruit, c'est juste voilà, quand on est conducteur ici, donc sur la partie pare-brise, on entendra quand même un petit peu les bruits du vent. À part ça, peu importe la vitesse, elle se comporte plutôt bien, du moment que vous ne lui demandez pas vraiment un comportement totalement dynamique et que vous vouliez aller très vite, et c'est vraiment pas fait pour. Et même sur des petites routes pavées comme ici, eh bien c'est franchement plutôt pas mal. On a une voiture donc, comme on a pu le dire, qui était plutôt bien isolé. Alors, hop, petit bout plastique, mais sinon, franchement, c'est agréable. Bon alors, au final, cette Renault Kangoo, qu'est-ce qu'on peut en penser ? Niveau design, Renault a quand même fait un énorme effort sur cette voiture. On a vu que vraiment toute la voiture a été redessinée, repensée. Il y a des écrans, des aides à la conduite. Enfin, sur ce genre de voiture, ça fait plaisir de le voir. Niveau tenue de route, c'était pas mal. Niveau conduite, c'est plaisant à conduire. Les sièges sont confortables. L'insonorisation dans la voiture, eh bien, il y a quand même eu un bel effort de fait dessus. Niveau motorisation, comme je disais, on aura le choix entre des moteurs essence, des moteurs diesel. Pas d'hybride pour le moment, mais une version à venir en 100% électrique. Ça, ce sera plutôt pour 2022. Donc, les voitures sortiront
avec ses 5 moteurs dans un premier temps et avec 2 finitions. Au niveau du tarif, ça reste plutôt contenu, aux alentours de 25 000 euros pour ces nouvelles Kangoo. C'est plutôt correct. On a une habitabilité quand même assez exceptionnelle dans la voiture. On a de la place, qu'on soit à l'avant ou à l'arrière, et même à l'arrière, en étant une très grande personne, on se sentira bien. On a une belle visibilité sur l'extérieur, on a des grandes fenêtres. On a franchement tout ce qu'on peut lui demander à ce Kangoo. Et je pense qu'avec ce nouveau look, ce nouveau design, ces nouvelles couleurs, ça devrait faire un carton. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme ça, vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, sur la chaîne Mécanique Sportive, on trouve de tout, de la petite citadine électrique à la voiture super sportive. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.